Coucou, bonjour, vous êtes dans votre émission Cuisine Blessing avec votre sœur Bobette Blessing. Vraiment merci beaucoup pour vous tous qui m'écrivent, ça me va vraiment droit au cœur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous allons maintenant faire le boulette. On a un autre programme aujourd'hui que nous allons faire ensemble. Alors avant de commencer, je dois encore laver mes mains. Alors, pour faire le boulette, on a besoin de quoi? On a besoin des oignons. Donc, j'ai un oignon. J'ai partagé ça en deux. J'ai besoin d'ail. Et j'ai besoin de gingembre. J'ai mon végétal, le cube. Comme je ne mets pas le sel, donc je mets toujours le cube végétal. Donc, que vous pouvez trouver dans le magasin exotique. Donc, vous allez trouver végétal. Donc, mais tu peux utiliser le cube que tu as aussi à la maison. Mais moi, j'utilise végétal. Donc, j'ai besoin des noix de muscade. J'ai besoin de poivre blanc. J'ai besoin aussi de persil. Alors, j'ai ma viande hachée de 2 kg. Alors, je commence à râper mon oignon. Je râpe aussi le gingembre. Je râpe l'ail. Oh. Je vais mettre ma muscade. J'ai mis le poivre. Oh, j'ai beaucoup. C'est bien. Je mets le persil. Je commence à mélanger. Je mélange ma viande hachée avec tous les épices que j'ai mis. Je vous ai bien dit, on a besoin de persil, on a besoin des oignons, des ail. J'ai mis le noix de muscade, le poivron, poivre blanc et je mélange bien. Il faut bien mélanger pour que les épices entrent bien dans la viande. Maintenant, je vais faire des boules. J'ai mon huile ici. Alors, pour faire le boule, je trempe mes mains dans l'huile et je commence à faire mes boules. Tu trempes, tu fais les boules. Alors, pour le boule, vous pouvez faire n'importe quelle taille. Hein. Il y a d'autres qui aiment ça soit gros, il y a d'autres qui aiment petit, donc ça dépend de ce que vous voulez quoi. Mais moi je fais un peu moyenne, mais pour la taille c'est pas un problème. Voilà. Ma casserole.
C'est bon, maintenant je vais prendre mon plateau. Alors, j'ai préparé mon plateau avec, avec le papier pression. Donc, moi, je mets mes boulettes, je fais ça au four. Mais il y a d'autres qui cuisent ça aussi au feu, c'est pas un problème. Mais moi, je mets au four. Parce que je trouve qu'au four, il n'y a pas beaucoup assez de graisse. Voilà, je vais mettre ça au four. Alors, je mets ça à 220. Je mets ça. Et la température, je le mets au 220. Et je laisse ça cuire un peu, 15 à 20 minutes. Et je mets dans le système de chute. C'est bon, voilà, les boulettes sont prêtes. Voilà, mes boulettes sont prêtes. Voilà mes boulettes. Alors comme c'est l'été, il fait très chaud, alors j'ai choisi d'accompagner mes boulettes avec la salade, mais sinon vous pouvez accompagner avec tout ce que vous voulez, avec la chikwang, avec banane platan, ce que tu veux accompagner, mais moi j'ai choisi la salade parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Mais à la prochaine, merci. Ciao, ciao.